Salut tout le monde, bienvenue dans mon lab. Deuxième vidéo, aujourd'hui je vais me fabriquer un élément dont j'avais super besoin. C'est un élément pour tester les montages secteurs. En effet, quand on fait un nouveau montage secteur, eh bien il faut le tester. Et la première fois qu'on le branche, parfois ça peut être un peu stressant. Il suffit qu'on ait fait une bêtise dans le montage, qu'il soit pas particulièrement au point. Et la catastrophe arrive, le court-circuit, ou pire, un élément qu'on touche qui est sous tension, et là, ça peut être très grave. Et en plus, c'est souvent sympathique de voir la consommation, un petit peu des mesures de base, courant, tension. Et donc, j'ai décidé de me fabriquer une boîte qui permettra de tester avec un peu plus de sécurité. Vous allez voir, un bouton poussoir, un voltmètre, ampèremètre et une mesure du cosfi, donc du déphasage. Ça permet de vérifier l'efficacité de l'appareil. Et évidemment, toute la clique de disjoncteurs, différentiels qui vont bien pour la sécurité. Bien, voilà ce que j'ai reçu. D'abord, un disjoncteur 6 ampères. Ensuite, un différentiel 30 milli. Et un voltmètre, ampèremètre, wattmètre, donc avec trois écrans LCD, trois écrans LED séparés, et un bon gros bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, le bouton classique, bouton coup de poing, donc arrêter, allumer. Il y a un contact repos et un contact travail, et on va utiliser évidemment le contact repos. Et pour mettre tout ça, eh bien, j'ai trouvé une boîte, tout simplement ce genre de boîte de biscuits. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser à l'envers pour des questions de solidité. Alors le défi, c'est de faire tenir tout ça dans la boîte. Ah oui, et j'oubliais, il faut relier tout ça au secteur, évidemment, puisque le but, c'est de tester des éléments qu'on va brancher au secteur, mais dans des conditions un peu plus contrôlées. Et pour ça, il faut des prises. Pour ça, j'ai un peu de récup. Il me restait une prise comme ça avec un embout, donc que je vais faire sortir par là et puis qui va venir se brancher comme ça. Et puis pour la prise femelle, alors j'hésite encore. J'hésite entre prendre ce genre de triplette comme ça, faire un trou et la coller comme ça sur la surface, ce qui permettrait de brancher les appareils directement par le dessus, ou alors faire sortir un câble sur l'autre côté. Ça permettrait de déporter un peu ce boîtier et de tester des éléments qui seraient au sol par exemple, ou qui seraient un peu éloignés sans avoir besoin de rallonge. Donc, je crois que je vais quand même prendre la solution de la rallonge. Donc comment ça va se câbler? On a la prise ici qui viendra se brancher, alors d'abord sur le compteur, l'alimentation du compteur. Ensuite, en sortie, on arrive directement sur le disjoncteur. Et enfin, le disjoncteur sera relié au différentiel. Et tout à la fin, le bouton. Et après le bouton, la prise femelle. Un beau bouton d'arrêt d'urgence. Ah, franchement, ça fait classe. Voilà, c'est fixé. Donc bien ajusté. Là, je suis plutôt satisfait au niveau du bord. Le collage ici, j'ai fait avec de la colle à chaud. Tout simplement, un coup de pistolet à colle. Là, je ne sais pas si on voit, mais j'ai mis mes entretoises qui permettent de décoller un peu ici pour pas que ça vienne trop au bord. Alors voilà, j'ai terminé le câblage à l'exception de la masse, de la terre, pardon. Là, je suis prêt à tester normalement. Déjà, si j'allume, ok. Donc là, j'ai bien 237 volts, 0 ampères, pas mal. Et donc on va y brancher un appareil, par exemple le Dremel,
Parce que ça, on voit bien s'il est en route ou pas. Il y a un afficheur LCD. Et là, ça fonctionne. Donc, c'est qu'il y a du jus. Et normalement, si je mets le coup de poing, voilà, ça coupe immédiatement. Donc déjà, ça, c'est rassurant. Là, on affiche les watts. J'allume. Donc là, il fait 16 watts. Bon, là, ça permet de voir les kilowattheures, ben, j'imagine, à partir du moment où on déclenche l'affichage. Et là, on voit un cosfi complètement dégueulasse de 0,4. Alors là, théoriquement, ce que je devrais faire, c'est tester un court-circuit. Alors, concrètement, ce que j'ai fait, le truc a pas trop fait en temps normal, hein, donc j'ai mis tout simplement de la fiche banane. Et là, c'est vraiment c'est un seul fil. Hein. Donc là, c'est le court-circuit pur et simple. Donc là, le bouton, il est sur off. Et là, dès que je tourne, ça devrait sauter. Bon, malheureusement, alors ici, ça a bien sauté. Mais ça a sauté aussi au tableau électrique. Ça fait quand même une protection supplémentaire. Et celui-là, il est limité à 6 ampères. Donc bon, quelque part, il devrait couper avant le tableau électrique. Bon, pour un court-circuit franc, visiblement... c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais tester la continuité entre ma prise de terre et mon boîtier. Prise de terre. Ouais, là je suis bon. Entre les deux prises de terre, je suis bon. Et entre ça, je suis bon également. Ah, il reste une inconnue. C'est au niveau du couvercle là, parce qu'ici c'est bien en métal, par contre ça vient s'appuyer sur la peinture, ça ne me plaît pas beaucoup. Ouais, j'ai quand même 0,40 ohms, c'est bon, ça le fait. Alors par sécurité, je vais quand même passer un coup de papier de verre ici. Pour dégager la peinture en fait. Voilà, là ça devrait assurer un bon contact avec le couvercle. Le couvercle, je veux qu'il y ait un bon contact, non pas pour l'extérieur, mais pour l'intérieur. Que si jamais il y a un fil qui se désolidarise et qui vient tomber au fond, ben, que ça vienne toucher une partie métallique reliée à la terre. Ça, c'est très important. Ah oui, je voulais tester aussi le différentiel. Donc le principe, c'est que là, je l'ai mis dans un des trous. Alors, je ne sais pas si c'est la phase ou le neutre. De toute façon... chez moi, le côté phase ou neutre n'est pas forcément respecté sur toute l'installation. C'est une installation relativement ancienne. Alors le problème, c'est que là, je vais mettre en route, je vais avoir le secteur sur mon bout de câble là. Je suis pas spécialement rassuré, je vais essayer de faire attention. Le principe, c'est de connecter l'autre bout à la fiche, à la prise de terre. Ou même plutôt, je vais le connecter là sur mon élément en métal. Si c'est le neutre, ça va rien faire. Si c'était la phase, ça devrait faire sauter le différentiel. Et encore une fois, on espère que ça fera pas sauter le différentiel du tableau électrique. Bon ben là, je suis tombé sur le neutre. Donc je coupe immédiatement. Donc là, normalement, ça devrait être celui-là, la phase. J'ai toujours rien, là. Ça, c'est pas normal. Ça devrait sauter. Bon, eh bien, tant pis. Déjà, le fait d'avoir l'interrupteur et l'afficheur, ça me satisfait. D'avoir le disjoncteur simple, c'est déjà pas mal aussi. Ça permet de limiter les dégâts, même si on a vu que ça faisait sauter de toute façon au tableau électrique. Et bien voilà, le projet est terminé. Là, ça fonctionne parfaitement. La boîte est plutôt sympathique. Les finitions, je suis plutôt satisfait. Bon là, c'est pas terrible à ce niveau-là parce que j'ai pas utilisé le bon disque de découpe, mais c'est pas grave, c'est plutôt bien ajusté.
Ici, la découpe autour des éléments est vraiment nickel. J'ai pas fait trop de ratures au Dremel, c'est vraiment bien ajusté. Là, il y a un peu de jour, mais bon, c'est pas très grave. Et puis, ben, j'allais dire la star, le bouton d'arrêt d'urgence, qui est vraiment le plus gros gage de sécurité. On voit bien ce qui se passe. Ici, on a un bel afficheur très lisible. Là, j'ai beaucoup de lumière et malgré tout, à la caméra, on voit encore bien les chiffres. Donc ça, c'est vraiment cool. Et l'intérieur. Donc je vais vous montrer l'intérieur dans le détail. Donc ici, le voltmètre avec son entrée qui vient se prendre directement sur le fil d'arrivée. Donc ça, c'est l'alimentation du voltmètre. Et là, on voit le système de boucle. Donc on ne passe qu'un seul fil à travers de la boucle, hein, uniquement la phase normalement. Donc là, j'ai mis le fil de phase. Si c'est le nôtre, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc ça arrive de la prise mâle, ça rentre dans le disjoncteur et dans l'alimentation du voltmètre. Ensuite, ça ressort de l'arrière du disjoncteur, ça repasse dans la mesure du voltmètre, ça rentre dans le différentiel, ça ressort du différentiel, et là, ça arrive, le fil de neutre sort directement du différentiel, et le fil de phase, ici, passe par le bouton poussoir d'arrêt d'urgence. Et pour la terre, donc on arrive, l'entrée de terre arrive directement sur cet élément-là qui est soudé au châssis, ça c'est mon point de terre, et ça repart directement sur la terre de la prise femelle. Donc c'est vraiment un système extrêmement simple. Tous les éléments sont connectés de telle façon à ce que dès qu'il y en a un qui coupe, ben, tout s'arrête. Ça c'est vraiment la priorité absolue. Et donc j'ai encore de la place. Si je veux y mettre d'autres équipements, ah, franchement, qui aurait dit qu'une boîte de gâteaux pouvait se transformer comme ça? C'est franchement un super projet que je recommande. Alors là, j'ai pas mis beaucoup d'instruments, on pourrait en imaginer plus. Voilà, le voltmètre en paire-mètre, c'est vraiment sympathique. Le disjoncteur et le différentiel sont absolument indispensables. Alors on a vu pendant la vidéo que j'ai un peu galéré à tester le différentiel. Eh bien j'ai trouvé la cause entre-temps. C'est tout simplement que mes prises de terre ne sont pas reliées à la terre sur mon installation électrique. J'ai emménagé il n'y a pas si longtemps, c'est de la vieille électricité. Et je le vois parce que je mesure 120 volts pile poil entre les trois plots de ma prise, quelle que soit la façon dont je mesure. Donc il va falloir que j'arrange ça rapidement parce que c'est super dangereux et j'ai pas envie de prendre de risques, hein, honnêtement. Ce qui veut dire que là, mon différentiel, il sert à rien en fait, hein, puisque il est relié à rien. Enfin, le courant a nulle part où s'échapper quand on connecte à la terre. Donc voilà, à part ce petit problème, mais qui n'est pas du tout lié à cette boîte, c'est vraiment un élément parfait. Vraiment, je recommande, ne branchez pas vos montages secteurs directement sur le secteur. C'est un peu de la folie, hein. Franchement, les risques sont trop grands, le 230 volts, 240 volts, ça peut tuer, vraiment. Donc, allez-y mollo, et puis le petit bouton là, vraiment, il apporte de la sécurité. Et en attendant, eh bien, j'ai d'autres projets qui vont se servir de ça. Et d'ici là, n'oubliez pas d'expérimenter. Ciao!